Bonjour, je m'appelle Odette Charbonneau, je suis notaire et membre du comité d'experts conseils en dons majeurs et dons planifiés de la Fondation de la Cité de la Santé. Le legs testamentaire est certainement le type de don planifié le plus connu et le plus répandu. Il s'agit d'un don qui vous permet de soutenir la cause qui vous tient à cœur après votre décès, tout en préservant le patrimoine que vous désirez laisser à vos héritiers. Différentes options s'offrent à vous. Le legs particulier, qui vous permet de faire le don d'un montant d'argent ou d'un bien particulier. Le legs résiduaire, qui vous permet de faire le don de la totalité ou d'un pourcentage de votre succession, une fois les frais, les dettes, et les legs particuliers réglés. Et le legs universel, qui correspond au legs de l'ensemble de votre patrimoine, divisé en plusieurs héritiers, dont l'organisme qui vous tient à cœur. Et finalement, le legs conditionnel, advenant le décès de votre bénéficiaire principal. En faisant un don par legs testamentaire, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Il pourra être utilisé au moment de régler votre succession et permettre ainsi de bénéficier d'avantages fiscaux souvent très considérables. Vous protégez vos héritiers tout en posant un geste philanthropique important. Vous pouvez en tout temps modifier votre intention de don, vous laisser pour les générations à venir, un héritage répondant à vos convictions et à votre envie de faire une différence. Afin d'optimiser votre démarche, il est toujours recommandé de consulter votre notaire ou votre conseiller financier. Merci de prendre soin de notre monde. Ça. J'ai chaud. Oui, il est chaud.